me now. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune, votre rendez-vous 100% petite balle qui colle sur ma chaîne sport. Fini les vacances et la reprise, on va enfin pouvoir reparler D1, Liga Asobal ou encore Coupe d'Europe. On va reparler tout ça évidemment avec notre consultant vedette, Olivier Giraud, ancien capitaine des experts, notre expert à nous. Salut Olivier. Salut. Content de te revoir, t'as passé de bonnes vacances? Écoute, c'était pas mal, hein. C'est déjà fini, hein. Faut retourner au boulot. Eh ouais, de retour à la mine, mais on est content parce qu'on a un champion olympique, double champion du monde, champion d'Europe, Xavier Barrachet, présent sur ce plateau, arrière droit de Saint-Raphaël. Salut Xavier. Salut. Alors, je te propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la licence du handballeur. La licence du handballeur, c'est une tradition dans Tribune Hand, c'est pour présenter nos invités, donc je vais te présenter. Si je fais une bêtise, surtout, tu buzzes, tu me le dis, et puis de toute façon, il y a Olivier qui est là. Voilà. Donc tu es né le 19 novembre 88 à Nice. C'est ça. J'ai bon sur la date parce que je me suis déjà trompé deux fois. Hein. C'était avec Garmadec, je crois, et je ne sais plus qui. Mais bon. T'avais tout faux même. Donc voilà, avec Guéric. Il m'avait repris. Donc. J'ai juste déjà c'est sur la date. Bon, là, pour l'instant, c'est tout bon. C'est d'ailleurs à Nice que tu as commencé, au Cavigal Nice Sport, le club que ton papa préside. Tu as commencé, il y avait un certain William Macambray avec toi également. Faux. Voilà. Non, il était à côté, il était à côté. Mais tu es très pote avec William Macambray. Exactement. Voilà. Bon, après, tu es parti à Chambéry, c'était en 2006. Ouais. Tu as été 5 fois vice-champion de France. C'est avec Chambéry que tu t'es véritablement révélé et que tu as connu tes premières sélections en équipe de France. Ouais. Tu sais combien tu as de sélections en équipe de France? Je dois en avoir un peu plus de 60, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pas mal. 63 exactement, 63. Pour 125 buts. Et toi, Olivier? Je sais pas. 240. J'ai essayé, je sais pas. Quelque chose comme ça. Ça fluctue entre 236 et 248. Ça dépend. Voilà. Selon la police ou... Ouais, selon les manifestants. Bon. Donc j'ai dit tout à l'heure, tu as beaucoup de médailles d'or avec l'équipe de France. Et puis en 2009, tu signes en faveur de Ciudad Real à compter de la saison 2011-2012, club que tu rejoins un petit peu plus tard parce que tu es prêté par Ciudad Real, donc l'Atlético Madrid, puisque ça a changé de nom à Chambéry. Et puis finalement, donc, tu joues à l'Atlético Madrid. Et puis ensuite, patatras, tu te fais mal à l'épaule, tu as été opéré. Et puis en même temps, il y a eu aussi cette liquidation judiciaire de l'Atlético Madrid, c'était l'été dernier. Donc tu as signé à Paris, mais Paris te prête à Saint-Raphaël. Donc, tu joues pour Saint-Raphaël, enfin pas encore parce que tu es encore en convalescence. Donc, la première question, elle est toute simple. Pourquoi ce prêt? Bon, pourquoi ce prêt? Non, c'est tout simplement que le dépôt de bilan de l'Atlético s'est fait assez tardivement, même un peu tôt dans la saison, on va dire. Donc, moi, j'avais cette envie de revenir en France. Et qui dit revenir en France, c'était bien sûr pour moi, en tout cas, le projet de Paris qui m'intéressait. Et le club de Paris était également intéressé par moi. Et donc, voilà, c'était une envie des deux parties. Mais comme je l'ai dit, le dépôt de bilan s'est fait très tardivement. Donc, il y avait beaucoup d'effectifs et beaucoup de budgets qui étaient clos. C'était le cas de Paris. Et Saint-Raphaël était très intéressé pour cette petite année de coupure qu'il y avait entre le dépôt de bilan et mon arrivée à Paris. Donc, voilà, Saint-Raphaël était content de me récupérer une année. Moi, j'étais très content de venir à Saint-Raphaël également. Et voilà. Tout le monde était content, donc on a fait comme ça. Et qui t'a contacté au PSG pour venir du côté de... Qui m'a contacté? Ouais. Oh, je suis passé par le biais de Bruno Martini, mais Philippe Gardin aussi, j'étais en contact avec lui, vu que ça a été mon entraîneur pendant 6 ans à Chambéry. Mais voilà, ça s'est fait par ces deux personnes-là. Olivier, effectif donc pléthorique à Paris, peut-être une blessure aussi à l'épaule qui n'a peut-être pas forcément arrangé les Parisiens, je ne sais pas. Mais un club ambitieux quand même, Saint-Raphaël. On sait qu'il y a 2 saisons, Saint-Raphaël a terminé 3e, a disputé le tour préliminaire de la Ligue des Champions, tourné à wildcard. Donc finalement, tout le monde est content dans l'affaire, non? Tout le monde est content dans l'opération, comme tu l'avais très très bien écrit. Et que Saint-Raphaël, c'est le club parfait pour un joueur... comme Xavier, pour sa réhabilitation, dans un premier temps, et pour pouvoir retrouver les joies du championnat, une équipe ambitieuse hein, qui veut jouer les premiers postes. Donc, au final, Xavier ne perd pas au change, ça lui permet de revenir tranquillement dans une équipe compétitive. Ce qui sera intéressant, c'est de le voir évoluer contre sa future équipe quand Saint-Raphaël rencontrera Paris.
Et c'est justement à cette période-là que tu reviendras sur les terrains, non ? Exactement. Fin octobre. Exactement. Bah, si tout se passe bien, c'est fin octobre que je reviendrai sur les terrains. Et c'est vrai que c'est fin octobre qu'on joue le PSG, donc on verra bien. Après, si mon épaule va, je pense que je jouerai ce match-là. Justement, comment ça va en ce moment au niveau de ton épaule ? C'était une opération inévitable parce que c'était une blessure que tu traînais plus longtemps ? C'était vraiment inévitable. Ça faisait un an et demi que je me battais contre cette épaule. J'avais des douleurs. Au début, ça allait avec les travails d'élastique et avec les kinés. J'arrivais à passer au-delà de cette douleur, mais on va dire les 6-7 derniers mois, c'était complètement impossible. Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me faire opérer. Ouais. Et en ce moment, ça va ? En ce moment, ça va très bien. Vraiment, ça fait plus de 5 mois que je me suis fait opérer. J'ai recommencé même à faire des petites passes, des tirs, des échauffements de début d'entraînement avec l'équipe et j'ai aucune douleur. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Ouais. Olivier, quand on est blessé comme ça longtemps, comment est-ce qu'on gère quand on est un athlète de haut niveau, psychologiquement et physiquement ? Bah, y a pas le choix. Hein. De toute manière, ça fait partie. C'est là qu'on se rend compte que le handball, c'est un plaisir pour tous, hein, c'est une passion. Mais que quand il arrive ces déboires-là, ça devient un vrai boulot où il faut se concentrer sur la récupération, espérer, parce qu'une opération, c'est jamais bénin. Et on espère revenir le plus rapidement possible. Ils ont tous les outils médicaux pour revenir. Au plus haut niveau et c'est quelque chose qui fait partie de la vie du sportif mais qui fait peur aussi parce qu'on ne sait jamais à chaque blessure si on reviendra à son top niveau. T'as peur du coup ? Bon, y a bien sûr, dans chaque blessure il y a des moments de doute, hein. J'en ai eu, surtout que l'épaule c'est pas anodin chez un joueur de handball. Après j'ai mis toutes les chances de mon côté, je me suis fait opérer par un super chirurgien, un professeur à Nice, le professeur Boileau. J'ai suivi jusqu'à présent une très bonne rééducation, donc voilà, je mets toutes les cartes de mon côté pour essayer de revenir à mon meilleur niveau. Là pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas de douleur, tout se passe très bien. Et tu vois le docteur demain ? Exactement. Bon. En tous les cas, si tu ne peux pas encore jouer sur les parquets, tu peux t'amuser à faire quelques petites passes dans l'eau parce que tu as participé au clip de présentation de ton club, le SRV HB. Regardez. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Des images signées Gabriel Spinelli. Ça va, elle n'était pas trop froide, l'eau, Xavier ? Non, ça va, elle était bonne, mais c'était à 8h du matin, ce qu'on ne sait pas. Hein. Donc, c'était un peu frais le matin. Et c'est pas beau, ça. Ils ont réservé le truc à la James Bond dans l'eau, les cheveux gominés. C'était pour toi. Daniel Craig qui sort de l'eau. La première journée du championnat de France de D1 version 2013-2014, c'était donc le week-end dernier. Et le premier match de Saint-Raphaël, le club de notre invité Xavier Barachès, c'était contre Nîmes. C'était à domicile. On regarde ce qui s'est passé avec Vincent Petit-Pèze. Avec Xavier Barachès encore convalescent et présent en tribune, les Raphaëlois doivent composer sans leur nouvel arrière-droit contre Nîmes. Les autres crues phares sont-elles bien présentes ? Arne Ratlasson, Alexander Lingard ou encore Morten Olsen ? Face au promu gardois, Saint-Raphaël domine. À la baguette notamment, un impeccable Raphaël Cocheteux. Deux buts sur G de 7 mètres pour les Liévarois. 8 dans le jeu, soit 10 réalisations pour le meilleur marqueur de la rencontre. Et malgré les 7 buts de Guillaume Sorina côté Nîmois, le SRVHB mène logiquement à la pause 18-13. En seconde période, Nîmes recolle au score. Mais Saint-Raphaël maîtrise son avance grâce à son nouveau pivot danois Alexander Lingard, auteur de 4 buts. Grâce également à Morten Olsen, l'autre Danois, 6 réalisations. Au final, les hommes de Christian Gaudin s'imposent de deux longueurs, 35 à 33.
Premier match, premier succès donc pour Saint-Raphaël, on vient de le voir. Tiens, avant de parler de ce match et de Saint-Raphaël, juste un petit tableau concernant les stats de la saison dernière pour voir ce qui s'est passé à Saint-Raphaël. Donc une sixième place avec 27 points, 12 victoires, 3 nuls, 11 défaites, soit 46% de succès. La sixième attaque, 746 buts inscrits. La huitième défense avec 745 buts concédés. Il t'inspire quoi tous ces chiffres, Xavier ? Bon, il m'inspire surtout que, à mon avis, la LNH a beaucoup progressé ces dernières années et ces chiffres nous montrent cela parce que Saint-Raphaël a fini, je crois, deux saisons d'affilée quatrième. Puis tout d'un coup, il se retrouve sixième avec des équipes comme Nantes ou Dunkerque qui ont vraiment beaucoup progressé. Et voilà, donc je pense que notre objectif cette année, c'est de remettre un peu cette équipe de Saint-Raphaël dans les quatre premières places. Ouais, Olivier, hein, on l'a dit, Saint-Raphaël qui avait donc terminé parmi les meilleures équipes il y a deux ans. On a vu 10 buts de Cocheteux. Les recrues également, elles étaient là avec les Scandinaves. Lingard qui a marqué 4 buts. Morten Olsen, l'ancien demi-centre d'Hanovre qui est arrivé donc à l'intersaison, il a mis 6 buts. Les recrues se sont illustrées. Les recrues sont illustrées, mais c'est surtout que c'est un peu moins clinquant que les recrues de Paris. Mais le recrut qu'on fait Saint-Raphaël, c'est un recrutement très très intelligent, très fin. Ils sont allés chercher pas des joueurs qui sont déjà hyper connus, mais des joueurs qui sont en devenir. Et le demi-centre que vous avez vu sera l'un des demi-centres, je pense, l'un des meilleurs demi-centres du monde dans les années à venir. Et que ça va énormément changer le jeu d'attaque de Saint-Raphaël. On l'a vu l'année dernière, milieu de classement à la fois en défense et en attaque. Et là, sur le plan offensif, je pense vraiment qu'ils ont passé un cap et qu'ils feront partie des troubles faits de cette saison. Ça, c'est certain. L'objectif, c'est quoi donc pour Saint-Raphaël cette saison ? L'objectif, c'est, je pense, déjà de faire aussi bien que l'année dernière. Et après, si on peut accrocher ces quatre premières places, voire le podium, on va pas s'en empêcher. Et qu'as-tu pensé de cette rencontre ? Tu as assisté donc au match contre Nîmes depuis les tribunes. Bon, c'est un premier match de championnat, donc c'est jamais évident de se mettre en place. Je pense qu'on a fait vraiment une bonne première mi-temps où ça a très bien joué. On a su développer notre jeu. On a eu même une balle de plus 9 à un moment donné. Et la force de Nîmes, c'est de toujours y croire. Et ils l'ont démontré encore une fois. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, ils se sont accrochés jusqu'à revenir à 2, voire 1 but. Et c'est à la fin, d'ailleurs, avec Morten Olsen qui nous fait une interception et qui nous met une contre-attaque et qui nous fait repasser à plus 2. Et grâce à ça, on remporte ce match à la fin. Bon, le prochain match de Saint-Raphaël, c'est Tremblay. C'est vendredi, un petit pronostic, la victoire. Je veux dire victoire de Saint-Raphaël, mais c'est une équipe dont il va falloir se méfier cette année. Parce que, les Bosquets qui a signé à Tremblay. Ouais, exactement, ils ont fait de bonnes recrues. Il y a quand même une équipe qui est assez en place depuis quelques années, donc il va falloir se méfier de cette équipe. Puis Tremblay qui a perdu de 4 buts il n'y a pas longtemps, ils sont déjà dans l'urgence parce que autant on parle beaucoup de la lutte pour le haut de championnat où les titres et les places vont se décerner au fur et à mesure du championnat, mais il va falloir penser aussi au bas du classement et sincèrement j'espère pour Tremblay que ça va bien se passer pour eux, mais déjà une défaite et déjà un deuxième match important pour ne pas perdre de la confiance dès le début de saison, donc leur déplacement à Saint-Raphaël va être un déplacement chaleureux mais compliqué. On enchaîne, on passe à Roucoulette ou Kung Fu. Roucoulette ou Kung Fu, c'est comme la licence du handballeur, c'est une tradition. Dans Tribune Hand, c'est simple, Xavier. Je te donne deux noms, deux lieux, deux événements, deux n'importe quoi. Et toi, tu dois choisir. Tu nous dis, voilà, tu dois choisir, tu nous dis ce que tu préfères et pourquoi. Ça va, tu m'as trouvé sympa. Olivier, tu le connais, il est sympa, mais ouais, ça va. Ça se passe bien. T'as le droit à un joker alors. Mais de toute façon, tout le monde a le droit à un joker. Mais j'aime bien placer cette petite phrase. On peut lui faire cadeau. Alors, première petite photo, Guillaume Joly ou Cyril Dumoulin. Deux joueurs que tu as côtoyés du côté de Chambéry. La photo, elle va arriver. Elle n'est pas là, mais elle va arriver. Si tu avais un joueur à préférer, tu préférerais qui ? Faut que je choisisse par rapport aux photos ou par rapport... Non, pas par rapport aux photos. Oh, bon, c'est difficile. Deux joueurs que j'ai beaucoup côtoyés. Bon, mais... Joker. Non, parce que peut-être qu'il y a des questions après qui vont être un peu plus dures. Effectivement. Non, je veux dire Guillaume Joly. Je suis en chambre avec lui en équipe de France, donc c'est un bon copain. Et ça, bon. Ça marque, ça, quand t'es en chambre avec un copain. Ouais, et lui, il a pris un petit gabarit, t'as vu, hein, moi, je me suis tapé Dinard. Bon, en tout cas, il t'apprécie aussi, Guillaume Joly, puis Cyril Dumoulin aussi t'apprécie, donc je te propose de les écouter. Ah.
connais bien Fissou, petit Xav. La dernière fois, je voulais savoir s'il avait bien emménagé à Saint-Raphaël et savoir surtout comment son épaule allait. Voilà, il m'a répondu que tout allait bien, que ça allait dans le bon sens et j'espère le revoir très vite sur un terrain de handball. Et puis c'est les gars simples, c'est les gars adorables, c'est un peu genre idéal qui est sérieux, qui est très pro et qui sait s'amuser quand il faut, il sait faire le tri. Et... Si j'avais un conseil à donner à Greg qui présente l'émission, qu'il fasse attention parce que quand Xav est content, il est capable de déchirer les chemises. Ça va, tu veux pas déchirer la mienne? Bon, on verra, hein, on verra les questions. Hey, t'as le droit, t'as le droit. Bon, allez, on enchaîne justement. Donc, t'as choisi Guillaume Joly. Si je te dis Guillaume Joly ou William Acambray, puisqu'on sait que t'es très ami avec William Acambray. Oh, tu choisis qui? C'est pas possible de choisir, c'est deux très bons amis aussi. Mais bon, bah, William, parce que c'est un ami d'enfance. On se connaît depuis tout petit, on a commencé le handball ensemble. Donc, je vais dire William. La bûche. Bon, ouais. Dis la bûche. Un petit peu plus difficile, Christian Gaudin ou Talent Douchebaïev? C'est quoi ces questions là? Attends, c'est horrible, hein. Attention à ta chemise, hein. Non. Là, quand même. Mais Christian, je le connais finalement, je le connais depuis un mois, on va dire. Talent, j'ai passé toute l'année dernière avec lui, j'ai vraiment beaucoup appris. C'est quelqu'un que je trouve d'exceptionnel, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et, ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai connu qu'un an, malheureusement, mais voilà, je vais dire Talent. Bon. SRVHB ou PSV, pardon. C'est pareil. Non, mais... Bon, les logos sont jolis, les logos sont jolis. Pour le coup, Saraf, c'est, vu que moi je suis de Nice, ça a toujours été le gros club de la région, toujours celui qui m'a attiré, parce que étant tout petit, depuis que j'ai commencé l'Andre, je suis en contact très régulier avec eux, parce qu'ils ils m'ont vu évoluer, j'ai vu aussi le club évoluer. Sincèrement, j'ai toujours su qu'un jour ou l'autre, j'allais jouer à Saint-Raph. Et Paris, avec l'équipe qui est en train de se monter, le projet sportif, le projet de pouvoir gagner une Ligue des Champions avec un club français, c'est toujours attirant. Donc vraiment, deux clubs qui comptent pour moi. Donc difficile de choisir. Il pourrait faire de la politique. Hein, ah bah, il est très bon. Hein. Très bon. Non, c'est sincère. Et allez, une autre, il y en a deux. Il y en a une qui est gentille, une autre un peu plus difficile. Mais pas méchante. J'ai encore mon joker. T'as encore ton joker. Allez, tu peux peut-être la sortir là. Jean-Claude Blanc ou Jean-François Krakowski. C'est à peu près la même chose comme SRVHB ou ouais, PSG. C'est la même chose. L'un est ton, pour ceux qui ne savent peut-être pas, Jean-François Krakowski, c'est ton président hein, du côté de Saint-Raphaël et donc Jean-Claude Blanc, le président délégué du Paris Saint-Germain. Oh, c'est la même chose que la question précédente. Ouais, t'as pas beaucoup cherché quand même. La seule différence, c'est que Jean-Claude Blanc n'a pas de stade à son nom. C'est vrai parce que le Palais des Sports, Krakowski. Ouais, c'est vrai. Et la dernière, elle est sympa, Paella ou Bouillabaisse. Paella en Espagne, Bouillabaisse à Saint-Raphaël, même si j'aurais pu mettre salade niçoise, voire même tartiflette, hein, parce que t'es allé à ouais. Chambéry. Plus Bouillabaisse, c'est plutôt du côté de Marseille, non? Mais tu sais ce qu'on va faire. tu vois, son roucoulette au Kung Fu d'aujourd'hui, on va lui mettre un 2, un 2 sur 10. Tiens, parce un stylo. Franchement... D'ailleurs, jusqu'à la fin de la saison, tu vas noter les... Ça, nouvelle rubrique, la note du professeur. 2 sur 10. La note du capitaine. Voilà. Okay. Ah, bon, attends, j'en ai une dernière. Là, j'ai pas de photo, mais on peut dire Jeux Olympiques de Londres, ouais. 2012, ou Mondial 2009 en Croatie, c'est pas mal ça. Ah, bon, pour moi, il n'y a pas photo quand même. C'est les JO. Les JO. Donc, 3 sur 10. Ok. Et si je mettais. Je sais pas moi. Non, mais rien. Non, c'est fini. On enchaîne, c'est fini. Mais ouais, ça va trouver une autre ou pas. Ça passe vite. Ça passe vite. Et ouais, comme l'année dernière, c'est toujours trop vite. Il faudra parler au patron. Bon, mais comme sur ma chaîne Sport, quand il n'y a plus de monde, il y en a encore. Rendez-vous demain, téléspectateurs, tu notes, 20h30. Il y a Villa d'Aranda contre le FC Barcelone. Donc voilà, ça et c'est bien. Et avant de se quitter. On va dire au revoir à tout le monde. Donc merci, Xavier, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Ouais, avec de la bouillabaisse, avec de la paella ou ce que tu veux. Ça marche. Et puis toi, Olivier, merci. Ouais, hein, merci à l'inaltérable, hein, Olivier Giraud. Des analyses expertes. Je ne sais même pas où tu vas aller chercher ça. Et merci également à l'inénarrable Jocelyn Veluire, à l'inébranlable Alex Bickerstaff, ainsi qu'à Baptiste Merlin, Fred Choquet à la technique, sans oublier Amandine Pourcelo et Hugo Potiron. Voilà, c'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.